Et voilà, c'était le zapping du jour et Alexandra Duvivier nous a rejoint. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Bonsoir, c'est ça, merci. Oui, on est en fin d'après-midi, on peut se dire bonsoir déjà. Salut. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors depuis le 5 octobre dernier, vous jouez votre nouveau spectacle Signature. Vous partagez l'affiche avec votre papa d'ailleurs, qui est un très grand magicien, Dominique Duvivier. Il a d'ailleurs créé la salle hein, où vous jouez. Le double fond. Le double fond, exactement. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder quelques images et puis on va en parler juste après. Cool. Et voilà, Signature au double fond, c'est depuis le 5 octobre dernier, avec Alexandra Duvivier et donc son père Dominique Duvivier. Alors depuis le début de cette émission, on parle de magie, en tout cas depuis le début de ce débrief, on a cité trois magiciens, deux d'entre eux sont des hommes, vous êtes donc la seule femme. Alors qu'est-ce qui se passe, Alexandra? Pourquoi les magiciennes sont aussi rares dans cet univers qu'est la magie? J'ai pas forcément la réponse, mais un bout de réponse, c'est que bon, déjà il y a 2% de femmes pour le reste d'hommes, mais c'est un petit peu dans toutes les corporations un peu pareil. Heureusement, enfin 2% c'est quand même très peu. Oui, mais ça change, et c'est pas le truc qui va changer en premier, je te dis pourquoi, c'est que, je me permets de te tutoyer. Oui, vous pouvez, maintenant. Moi je vous vois, c'est comme ça. Oui, t'as raison, ça change rien. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est qu'en fait, quand on se dit, tiens, on va avoir des magiciens, tu vois l'assistante du magicien qui était à son avantage avec maillot de bain et tout, et tu te dis pas, ouais, je ferai ça plus tard. Forcément, tu veux pas te dire ça. Donc du coup, c'est en train de changeoter, puisqu'il y a plus de femmes dans la magie, qui sont en one woman show, qui font des trucs par elles-mêmes, et là on se dit, on peut s'identifier, alors qu'avant, tu t'identifies pas à une nana en maillot de bain. Je suis désolée, mais est-ce que du coup vous avez pris un assistant, donc du coup c'est votre père l'assistant, c'est ça? Non. Vous avez changé les rôles un peu ou pas? Et non. On est à part égale. Ah. Tu vois, égalité, homme-femme. C'est la parité, homme-femme. Ça. C'est la vraie parité au double fond. C'est beau, effectivement. Alors, dans ce monde où il y a donc 98% d'hommes, si l'on en croit en tout cas absolument vos statistiques, Alexandra, est-ce que c'est un monde de macho? C'est un monde où on doit montrer ses talents plus que d'autres. C'est-à-dire que moi, je me suis battue plus que les autres, parce que quand tu arrives, tu vois, devant un public, ils se disent « Ah, ouais, c'est une fille ». Il va falloir qu'on soit indulgent quelque part, tu vois. Donc, du coup… Mais ils attendent que vous ratiez votre tour, finalement, c'est ça? Ça peut, quoi. Ça peut. Donc, du coup, voilà, j'ai travaillé plus que les autres, et c'était une super école, parce qu'en plus, mon père est ultra connu dans le milieu de la magie, donc il a fallu que je travaille doublement, et c'était… Et on va en parler, d'ailleurs, tout à l'heure. Oui, oui, oui. Effectivement. Alors, Nicolas, vous confirmez, hein, le monde de la magie est bien un monde quasi exclusivement masculin. Vous l'avez dit, on évoque la magie, on pense à des noms comme Eric Antoine, on pense à Garcimore, on pense éventuellement à Copperfield. Voilà, j'ai à venir. Donc voilà, des noms typiquement masculins, enfin des hommes. Tout simplement. Tout simplement. Et bon, je vais certainement passer pour un misogyne, mais allons à fond dans le truc. Faites attention, on est en direct. Hein. Ouais, parce que cette semaine a été compliquée, on est Geneviève de Fontenay, donc calmez-vous. Voilà, vous l'avez dit, généralement, on pense magie aussi, on pense numéro avec l'assistante. Ouais. L'assistante qui fait un peu office de faire-valoir. Oui, c'est ça. Le potiche, on peut le dire. Voilà, la potiche, potiche avec son maillot, avec ce que vous voulez. Ouais. Donc, au mieux, elle s'en tire avec une bonne trouille. Au pire, elle se tape une flèche dans la tête. C'est ça. Enfin, on espère qu'elle ne meurt pas quand même. Mais il y a heureusement des hommes comme Eric Antoine qui, justement, essaient de faire en sorte que ça change. Bien sûr. C'est le premier à dire qu'il faut essayer de démystifier les magiciens qui se la pètent, pour reprendre ses termes. Absolument. Et il avait d'ailleurs monté un spectacle avec sa femme, et c'était le principe, c'est ça, essayer de faire en sorte que, de montrer que c'est vraiment l'assistante qui fait finalement tout le taf et non pas le magicien. Mais d'ailleurs, vous parlez de misogynie, est-ce qu'il y a des hommes qui vous ont fait, pardon, Alexandra, des réflexions, des hommes magiciens bien évidemment, qui vous ont dit « Oh, t'es pas terrible, c'est parce que t'es une femme ». Non, ça va pas jusque-là. Ils l'ont peut-être pensé, mais ils ont pas osé me le dire. Ah, ils l'ont peut-être pensé, c'est déjà ça. Bah, écoute, j'en sais rien, je suis pas dans leur tête. Et puis quelque part, je m'en moque, c'est pas mon problème. Moi, j'essaye de montrer, comme tu disais, tu cites Eric Antoine, montrer que la magie, c'est un art. Mon père, il a toujours cru que la magie, c'était un art. C'est pour ça qu'il a créé le double fond. On va voir des pièces de théâtre, on va voir des comiques, on va voir plein. Mais on peut aussi voir un spectacle de magie mis en scène d'une heure et demie où il y a une vraie histoire et quelque chose qui se passe, quoi. D'ailleurs, être la fille de ce grand magicien, est-ce que c'était un inconvénient? C'était un
un plus? Bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est plutôt un plus parce que du coup j'ai travaillé plus que les autres et je ne me suis pas juste reposée sur des lauriers techniques. Il fallait prouver, c'est ça? Il faut prouver, ouais, bien sûr, et puis c'est normal en même temps. Ils attendent des choses. Et pourquoi ils montent sur scène aujourd'hui avec vous donc, Ouais, parce qu'on travaille ensemble depuis 1999, c'est pas juste tiens, on s'est dit tiens l'année dernière, non, ça fait un moment qu'on travaille ensemble parce que le duo, tu peux exprimer bien plus de choses que quand tu es seul. Mais c'est pas juste une caution, c'est-à-dire de voilà, ah oui. Il y a mon père, donc comme il est grand magicien, venez aussi me voir parce que je suis là. Non, parce que je fais des spectacles en solo aussi. D'accord. Tu vois, par exemple, les duos, c'est tous les vendredis. Moi, je suis en solo tous les samedis au double fond. Donc, c'est pas du tout, tiens, on va la voir la pauvre, je vais la prendre, je vais lui faire l'aumône, tu vois. Non, non, c'est qu'on est vraiment sur un pied d'égalité. Mon père a toujours cru dans mes talents, ce qui m'a toujours halluciné. Mais et on va aller voir tout à l'heure. Bah, t'as intérêt. Je l'adore, et j'adore Alexandre. Voilà. Et oui, non, moi, je suis ravie de travailler avec mon père. Quand on a la chance de partager le même métier, la même passion et de bien s'entendre, c'est bonheur. Justement, c'est génial de travailler en famille. C'est vrai. De faire c'est vrai. Avec son mais papa. Non, mais c'est effectivement. Vrai. D'accord, non, mais c'est vrai. Et de faire aussi des scènes aux États-Unis. Vous avez participé à une émission qui s'appelle Penn and Teller, voilà. Full Us. J'espère que je suis très bon en anglais. Oui, c'est toujours bien. Peur, voilà. Tu veux dire. Comment vous êtes arrivé dans une émission comme ça américaine de magie, ça, c'est fou. Si. J'ai fait un tour de mon père qui l'a inventé il y a une quarantaine d'années. Et c'est une émission qui est génial parce que en fait il y a plein de professionnels qui montrent à des professionnels deux piliers de la magie, c'est un peu comme Copperfield, Penn and Teller, ils sont très connus là-bas et je les ai bluffés, donc c'était un gros challenge mais c'était super et j'ai eu grave le trac mais c'était très... Mais vous avez fait quoi, vous avez postulé pour participer à l'émission? Oui, ils sont venus vous chercher? Oui, non, ils sont, j'ai envoyé une vidéo. D'accord. et puis ils m'ont dit okay. En même temps vous parlez bien mieux anglais que moi, hein. J'ai pu le voir dans la vidéo qu'on ne peut pas diffuser car nous n'avons pas les droits, vous savez ce que c'est la télé. Vous parliez d'Éric Antoine tiens tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas envie de participer maintenant une émission française, il est juré de la France à un incroyable talent, on le sait, il y a énormément de professionnels sur la scène de cette émission. Est-ce que finalement, ça ne serait pas une excellente, une belle vitrine pour vous? Éric, je t'attends. Ben oui, bien sûr, mais moi, de toute façon, je suis open, il n'y a pas de problème, je suis là depuis déjà pas mal d'années, et moi, la magie, de toute façon, j'ai toujours cru, comme mon père, que c'était un art, on fait des spectacles, je fais des trucs pour les entreprises énormément, parce que les entreprises ont beaucoup besoin aussi de ça, de cohésion, de plein de choses comme ça, donc au double fond, on est assez justement polyvalent, et la télé, why not? Je suis bien là. Ils vous l'ont jamais proposé? Vraiment? Éric Antoine ou la production d'Incroyable Talent? Qu'est-ce que tu fais, Éric? Non, mais vous ne répondez pas à ma question. Ils vous l'ont déjà proposé? Non, pas encore. Non, jamais? Pas encore. Non. D'accord. Eh bien, écoutez, si on a le numéro d'Éric Antoine, on va l'appeler, on va lui dire. On va terminer tiens, avec un petit tour de magie. Tu vois, toi? Parce que je crois que vous êtes magicienne. Hein. En même temps, on a eu des médiums qui ne voulaient pas voir. Donc, en même temps, on ne sait jamais. Parfois, je me méfie. Ah, je ne sais pas si je suis dans Allez, le mood. Je vous laisse ma place parce qu'il faut qu'elle soit debout. Hop, et moi, je vais m'asseoir. Je vais devenir chroniqueur. Le temps d'un. Ça fait bizarre? D'un instant. Oui, non, c'est bizarre, effectivement. Je me pose un petit peu. C'est Allez. Ça. Moi, j'adore les cartes. Non, faut Alors, mettez-vous juste un peu plus hop, sur la marque. Parfait. Voilà, pour qu'on puisse voir. Parfait. Laisse-moi vérifier juste un truc. Un jeu de cartes normal, c'est exact. Qu'on peut bien sûr examiner. Je te laisse faire, Michael. Merci beaucoup. Ça suffira. On n'a pas le temps. C'est la télé. C'est la télé. Elle quoi, m'a piégé. Non, mais bien sûr. Vas-y. Oh là non, là. J'ai plus envie. Non, je sais. Je le okay, savais. Tu me dirais ça, mais c'est pas grave. Vas-y. Je sais que tu boudes, mais. Je mélange. Ok. Parce que les magiciens, ils aiment pas. Moi, je sais mélanger comme au poker, mais comme on est en direct, je vais pas le faire. Mais en fait, tu ne joues pas au poker. Voilà, c'est ça. Très bien. Tu n'as pas compté les cartes. Je vais me permettre de le faire. C'est pas grave. 52, c'est bon, je peux faire le tour. Hein? Non, je peux le faire au ralenti? Non, ah ouais, je peux bien, le faire. Si, si. Alors, Tiffany, mon cher collègue, enfin, on se retrouve. Est-ce que tu veux bien prendre une carte, celle que tu veux, tu me la montres surtout pas trop fastoche? Tu la regardes et tu me dis choses importantes si elle te plaît. Parce que si ce n'est pas le cas, il y en a plusieurs en stock, tu as le droit de changer. Non, c'est bon. Oui, j'ai vu que c'est ton faciès, c'était bien. Je vais te demander un petit service. J'aimerais que tu dessines. Je sais que la phrase commence mal. J'aimerais que tu dessines sur la face de ta carte, donc de ce côté-là de ta carte. Pas sur ta face. Ah mince. Ouais, vous avez raison de préciser mince. Avec Tiffany. Nickel, ça suffit. Pas de commentaires s'il vous plaît. Oui, pardon, excusez-moi. Donc, alors, je disais, c'est moi la blonde, c'est pas elle. Hein, donc, voilà. Donc, sur la face de ta carte, j'aimerais que tu dessines une souris. Pas un éléphant, j'insiste, une magnifique souris. Non, mais regarde pas, Michael, c'est moi que tu regardes. Mais moi, je sais pas dessiner, Tiffany, débrouillez-vous. Je te coach. Il faut un rond pour la tête, d'accord. Deux pour les oreilles, tu te fais paillèche, tout va Et bien. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Allez. Ah, je viens de taper sur le micro, mais c'est pas grave. Alors, tu me fais un beau truc. Ah, les moustaches éventuellement, ça serait bien. Ah, une moustache. Souris sans moustache, ouais. Tu vois, ouais. C'est pas cool. Nicolas, tu coaches hein, s'il y a besoin. Hein. Non, joli talent. Hein. Joli talent dessinatrice pour Tiffany. Tu vois, j'étais sûre qu'elle serait parfaite. Ouais, elle nous a fait une biche. Hein, c'est bon, je peux me retourner, attention. Oui, j'ai retourné Génial. La carte. T'es gentille. Maintenant, je vais me permettre de récupérer cette magnifique carte pour montrer ton spécimen, parce que Michael ne l'a pas vu, ton spécimen de souris, est-ce qu'elle est bien? Ah ouais, là, alors, c'est du Picasso. Non, rien. Ah, elle est magnifique, elle est magnifique. Tu vois ouais. Enfin, un gentil, hein, un petit voilà. Mot gentil. C'est tellement vrai. Oui, on sent que c'est sincère. Alors, cette carte, unique au monde, on est d'accord? Bah oui. Je la perds dans le jeu. J'adore ce tour, parce que c'est pas moi qui la retrouve.
Ni toi, Nicolas. Non, j'ai un appareil, comment dit-on, high-tech, qui retrouve les cartes choisies avec une... Je vous montre. Il est là, je l'ai amené. Tatin. Ah, pas mal. Oui, vous êtes déçus. Un piège à souris. C'est un piège, oui, je préfère un piège à souris. Alors, je le mets en position on. C'est high-tech, hein, je vous ai prévenu. Maintenant, c'est le moment dangereux du spectacle. Rapide, mais n'empêche, on ne doit pas mettre les doigts dedans. Je l'ai fait une fois, c'était l'horreur. Maintenant, très simple. Vous avez choisi une carte, ma chère Tiffany. Si je passe comme ceci, et qu'il ne se passe rien du tout, logique. Pas de souris, pas de détection, le high-tech est respecté. Ça va, Nicolas? Je te sens un peu perdu, là. Ouais, il est habitué à copier bon, Nicolas, c'est pour ça. Seul inconvénient du tour, c'est le problème, c'est qu'on est à la télé, c'est que ça peut être un peu longuet. Donc, si vous avez des histoires drôles, à part Michael, ça m'arrange. Il n'est pas drôle, de toute façon. Tiens, il y a des petites manchances à intestine qui fuse. Hein. Mais normalement, au bout d'un moment, en tout cas, j'espère que ce n'est pas la dernière, il devrait y avoir une seule carte. Tiffany, pardon. Trop de stress. Alors, Tiffany n'a pas compris. Alors, on attendait tous la chute. Il n'y a que Tiffany qui fait « Ah non, c'est pas vrai. Elle a chopé la souris. » Il y a une seule carte qui est prise dedans. J'espère seulement que c'est la bonne. Hein. Ouais, avec aussi. Une. Eh ben, c'est bien la carte avec la souris. J'espère qu'on peut bien la montrer. Tiffany. Ouais, on est un peu loin. Hein, bon. Mais c'est la bonne. C'est la bonne, je confirme. Hein, voilà. Ah, bah voilà, parfait. Regarde. On voit bien la souris. Enfin, si à la maison vous voyez un éléphant, n'hésitez pas à nous envoyer des tweets. Hashtag le débrief NSP. C'est comme l'histoire de la robe. Hein. Parfois on la voit bleue, parfois on la voit verte. Tu sais quoi, elle est tellement mimi. Bon, elle est un peu abîmée parce que le plus assuré est impitoyable. Que je te la laisse en souvenir. Comme ça, tu pourras frimer la maison. Ah, voilà, parfait. Avec ma petite souris. C'est bon? Oui, on va finir là-dessus. Mais oui, très bien. Merci, Tiffany. Si vous voulez, vous restez là. Lancez la revue. Bah, c'est la revue de presse de Tiffany. Alors, vous pouvez la lancer. S'il vous plaît, ma chère Tiffany, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre revue de presse? Voilà, oui.